Il est peu probable che la princesse CHARLNE revienne ava quex semen carelle continue de recevoir un traiteman contre le fuimone et subit des suandenter, a indiqué le palais de Monaco dan un communiqué. La princesse Charlene, qui a fete mardi 6-44 ans, et est absente du plus grand événement religieux de Monaco, le festival de Sainte Devote. An raison de ses problèmes de santé persistants. Oli de cela, sommari, le Prince Albert II, a dirigé les celebrations du jour au lendemain aux côtés des enfants du couple, le Prince Jacques et la Princesse Gabriella, tous d'âges de 7 ans, la Princesse Charlene reste loin de Monaco, recevan un traitement pour les poumons et des soins d'entera après avoir été admis dans une clinique privée à la mi-novembre. Punto punto. On avait espéré que Charlene pourrait retourner dans la principauté pour participer au jour d'événements Sainte Devote, le 26 et 27 janvier. Son absence était notable et le palais a plutôt publié un mise à jour sur son état. Le communiqué disait, la convalescence de sa la princesse Charlene se poursuit actuellement de manière satisfaisante et très encourageante, sa convalescence et ses soins dentaires. Prendron encore plusieurs semaines, et elle, de ce fait, ne pourra malheureusement pas assister aux festivités de la Sainte Devote cette année. Avec son épousas le Prince Albert II, elle partage son cœur avec tous les monégasques et résidents à l'occasion de ces celebrations. Des que sa santé le permettra, ce sera avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec. Pendant cette période, le couple royal demande que leur vie privée et celle de leur enfant continuent d'être respectées. Le Prince Albert a été rejoint par sa sœur la Princesse Caroline pour la première partie des celebrations de la Sainte Devote à Monte Carlo. Sainte Devote est la patronne de Monaco et le festival de jour commence par l'incendie cérémoniel du bateau le mercredi soir au Port Hercule. Le Prince Jacques a idée son père à mettre le feu au bateau, tandis que la Princesse Gabriella se tenait à côté et regardait avec la Princesse Caroline et Louis Ducrue, le fils de la Princesse Stéphanie. Elle a été suivie d'un service à la Chapelle Sainte Devote le 27 janvier et d'une apparition de la famille royale sur le balcon du palais.